Today, we got to the point Hier, nous sommes arrivés au point of acknowledging our guilt. De reconnaître notre culpabilité. And in Steps to Christ 37-38, et dans Vers Jésus, pages 37 et 38, those who have not humbled their souls before God, ceux qui n'ont pas humilié leurs âmes devant Dieu, in acknowledging their guilt, en reconnaissant leur culpabilité, have not yet fulfilled the first condition of acceptance. N'ont pas encore rempli la première condition de l'acceptation. Do you see now why my father was stuck over here? Vous comprenez pourquoi donc mon père était bloqué à cette étape-là? All his life, toute sa vie, he was excusing his sins. Il excusait ses propres péchés. Blaming the other person. En mettant le blâme sur les autres. No wonder he did not find victory. Et évidemment, il ne pouvait pas trouver la victoire. In one selected messages 326, dans Message choisi page 326, the only reason, la seule raison, that we have not remission of sins, pour laquelle nous n'avons pas la rémission des péchés, and that means taking away our sins, et cela veut dire l'enlèvement des péchés, is that we have not acknowledged to him, c'est que nous ne les avons pas reconnus à lui, whom we have wounded by our transgressions, lui que nous avons blessé par nos transgressions, whom we have pierced by our sins, que nous avons percé par nos péchés, that we are at fault, et c'est nous qui avons la faute, and in need of mercy, et nous avons besoin de miséricorde. As long as we blame others, aussi longtemps que nous mettons le blâme sur les autres, God cannot deal with our sins. Dieu ne peut pas s'occuper de notre péché à nous. The confession that is the outpouring of the inmost soul. La confession qui est le fait que on répande son âme à l'extérieur will find its way to the heart of infinite pity. Trouvera son chemin jusqu'à l'infinie bonté, miséricorde. And that's what the Lord tells us in Psalm 34:18. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Psaume 34 verset 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart and saveth such as be of a contrite spirit. 34:18. Quand les justes, c'est un petit peu différent, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. Ah oui, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. How do we get a broken heart? Comment est-ce que nous pouvons avoir un cœur brisé? You spend time with Jesus. Il faut passer du temps avec Jésus. We read here, nous lisons ici, in Review and Herald, dans Revue and Herald, September 3, le 3 septembre 1901. Come to Christ just as you are. Venez à Christ tel que vous êtes. And contemplate his love until your hard heart is broken. Et contemplez son amour jusqu'à ce que votre cœur soit brisé. That's how you get a broken heart. C'est comme ça que vous allez obtenir un cœur brisé. And that's why we are told to read especially the last chapters of Desire of Ages. Et c'est pour cela qu'il nous est dit de lire en particulier les derniers chapitres de Jésus-Christ. To realize what Christ went through for us. Pour comprendre ce que le Christ a vécu pour nous. As you acknowledge your guilt, alors que vous reconnaissez votre culpabilité, then God can fill your heart with repentance. Alors Dieu peut remplir votre âme de repentance. Sorrow for sin. La tristesse du péché. We are told that Steps to Christ 40.
Jésus-Christ, page non, vers Jésus, page 40. True repentance, la vraie repentance, will lead a man to bear his guilt himself. Amènera l'homme à porter sa culpabilité lui-même. And acknowledge it without deception or hypocrisy. Et de la reconnaître sans être sans illusion et sans hypocrisie. Many people have worldly sorrow. Beaucoup de gens ont la repentance, la tristesse selon le monde. In 2 Corinthians 7:10, 2 Corinthiens 7 verset 10, we read, nous lisons, for godly sorrow worketh repentance to salvation. Car la tristesse selon Dieu conduit à la repentance, pour le salut. But the sorrow of the world worketh death. Mais la repentance selon le monde conduit à la mort. What is worldly sorrow? Qu'est-ce que la tristesse selon le monde? If a man and a wife, si un homme et une femme, have a fight, se disputent, and they are angry with each other, et ils sont en colère l'un contre l'autre, after a while, it is uncomfortable. Après un certain temps, c'est pas très confortable. And so you want the home to be in unity again. Et évidemment, vous avez envie d'avoir le foyer de nouveau uni. And so maybe the man goes to the wife. Alors peut-être que le mari va vers sa femme. I am sorry, I got angry. Et il lui dit, est-ce que je m'excuse, j'ai été en colère. But it was because you didn't do what I wanted you to do. Mais c'est parce que t'as pas fait ce que je voulais que tu fasses. That is worldly sorrow. Ça, c'est la repentance selon le monde. That is not godly repentance. Ça, c'est pas la repentance selon Dieu. Godly repentance is, la repentance selon Dieu, I did wrong. J'ai mal fait. I got angry. Je me suis mis en colère. And not blame the other person. Et ne pas blâmer l'autre. No matter what the other person did. Peu importe ce que l'autre a fait. I must acknowledge my sin. Je dois reconnaître mon péché. Then God can forgive me my sin. Alors Dieu peut pardonner mon péché. And then it will open the way. Et alors cela ouvrira un chemin. For the other one also to acknowledge. Pour que l'autre aussi puisse reconnaître. Do you see how it works? Vous voyez comment ça marche? But like Adam and Eve, we want to blame someone else. Mais comme Adam et Ève, on veut toujours mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. And then God cannot take away our sin. Et alors Dieu ne peut pas enlever notre péché. Maybe we can make a little peace in the home. Peut-être qu'on peut arriver à un petit peu de paix dans la maison. But it isn't real peace. Mais ce n'est pas la vraie paix. And we may forgive each other. Et on peut se pardonner. But God has not forgiven. Mais Dieu n'a pas pardonné. If we put the blame somewhere else. Si on met le blâme quelque part d'autre. If we allow God to give us heart sorrow for sin. Si nous permettons à Dieu de nous donner la tristesse pour notre péché, then it is not hard for us to do the next step. Alors ce n'est pas difficile pour nous de faire la troisième pas. Before you are sorry, avant d'être triste, it is hard to go and confess your sins. Alors c'est difficile avant cela d'aller confesser son péché. And to make things right. Et d'arranger les choses. But when you have a broken heart, mais quand vous avez un cœur brisé, it is not hard. Alors ce n'est pas difficile. Then you can go. Alors vous pouvez aller. Confess to God. Confessez à Dieu. Confess to those you have wronged. Confessez à ceux que vous avez blessés. And everything can be made right. Et tout pourra rentrer dans l'ordre. The Bible says. La Bible dit. In Proverbs 28:13. Proverbe 28, verset 13.
He that covers his sins shall not prosper. Celui qui couvre son péché ne prospérera pas. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ouais. Celui qui le confesse et l'abandonne obtiendra miséricorde. Not just confess. Pas seulement confesser. But forsake. Mais délaisse. Give up your sins. Abandonnez votre péché. In seven Bible Commentary 931. Dans le commentaire biblique volume 7 page 931. Christ is able to save to the uttermost. Christ est capable de sauver totalement, complètement. All who come to him in faith. Tous ceux qui viennent, qui s'approchent de lui par la foi. He will cleanse them from all defilement. Il les lavera de toute tache, de toute souillure. All anger, all jealousy, all hatred. Toute colère, toute jalousie, toute haine. If they will let him. Si seulement il le laisse faire. But if they cling to their sins, mais s'ils s'accrochent à leurs péchés, they cannot possibly be saved. Ils ne peuvent pas être sauvés. For Christ's righteousness covers no sin unrepented of. Car la justice de Christ ne couvre aucun péché dont on ne se soit repenti. Let's say I come to God. Voyons, disons que je viens à Dieu. And I confess. Et je confesse. This sin, this sin, this sin, this sin. Ce péché, celui-là, celui-là et celui-là encore. All sins. Tout péché. Except one. Seulement un seul. I have a wrong spirit toward someone. J'ai un mauvais esprit, je juste envers une personne. I do not forgive that person. Je ne pardonne pas cette personne. Can I be forgiven? Est-ce que je peux être pardonné? Can I be cleansed? Est-ce que je peux être purifié? No. Non. One sin. Un seul péché. Why? Why can't I go to heaven with one sin? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller au ciel avec un seul péché? Parce qu'on polluerait le ciel. We are going to pollute heaven. That's right. It says here. Il est dit ici. In Review and Herald. Review and Herald page. March 17, 1891. Du 17 mars 1891. We cannot meet Christ in peace with one sin unrepented of. Nous ne pouvons rencontrer Christ dans la paix avec un seul péché dont on ne se soit pas repenti. Unconfessed. Dont on n'est pas confessé. And unforsaken. Et qu'on n'est pas délaissé. And it says the guilty know what sins to confess. Et celui qui est coupable sait très bien au fond de lui de quel péché il doit se repentir. God is very wonderful. Dieu est vraiment merveilleux. He convicts us. Il nous convainc. He speaks through our conscience. Il parle au travers de notre conscience. We know what is between us and God. On sait très bien ce qu'il y a entre Dieu We et nous. Are not talking about unknown things. On ne parle pas de choses dont on ne connaît pas. We know when we have a wrong attitude toward a certain person. On sait plus ou moins quand on a une mauvaise attitude envers l'autre. We know what to make right. On sait ce qu'il faudrait qu'on arrange un peu dans notre vie. There are many. This is Christ's Object Lessons 97. C'est parabole? Non. Page 97. Parables of Christ. Ouais. There are many who try to reform by correcting this or that bad habit. Il y a plusieurs qui essaient de se réformer en corrigeant telle ou telle mauvaise habitude. They think in this way to become Christians. Et ils pensent que de cette façon, ils peuvent devenir chrétiens. But they are beginning in the wrong place. Mais ils commencent au mauvais endroit. Our first work
is with the heart. Notre première œuvre, travail, doit être avec notre propre cœur. Jesus said, "Give me your heart." Jésus dit, donnez-moi ton cœur. And if you give him all your heart, et si vous donnez tout votre cœur, you give him all your sins. Vous lui donnez tous vos péchés. In Steps to Christ 43, vers Jésus, page 43, the whole heart must be yielded to God. Le cœur tout entier doit être soumis à Dieu. Or the change can never be done in us. Ou le changement ne peut jamais se produire en nous. By which we are restored to his likeness. Le changement qui nous amènera à être restaurés à son image. He cannot create a new heart. Il ne peut pas créer un nouveau cœur. If you have not given the old one. Si vous n'avez pas donné le vieux. That is why the Bible says. C'est pour cela que la Bible dit. In Ephesians 4. Éphésiens 4. 22 through 24. 22 à 24. Put off your old nature or your old man, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful lusts. Abandonnez votre conduite passée, votre vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. And be renewed in the spirit of your minds. Et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, par l'esprit dans votre intelligence. And put on the new nature, or the new man. Et revêtez la nouvelle nature. Created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Créé à la ressemblance de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. How is the new man created? How is the new man made? Comment est-ce que le nouvel homme naît? He is created. Il est créé. How long does it take God to create something? Combien de temps ça prend à Dieu pour créer quelque chose? Instantanément. That's right. And if we surrender today, et si nous nous abandonnons aujourd'hui, if we give him all our heart, si nous lui donnons tout notre cœur, if we give up the right to live a sinful life, si nous lui donnons le droit de produire en nous une vie sainte, he can give us a new heart today. Il peut nous donner aujourd'hui un nouveau cœur. And that is what we are talking about. Et c'est cela dont il est parlé. These people try to reform. Ces personnes essaient de se réformer. And they work on sins. Et ils travaillent sur le péché. And they work on standards. Et ils travaillent sur des principes, des standards, des modèles. But self is still on the throne. Mais le moi est toujours sur le trône. The heart has not been surrendered. Le cœur n'a pas été abandonné, donné à Dieu. They have not understood the new birth. Ils n'ont pas compris la nouvelle naissance. And they are not even Christians. Ils ne sont même pas des chrétiens. They are professing Christians. Ce sont des chrétiens de profession. And they can exactly follow every reform. Et ils peuvent suivre tous les éléments de réforme. But if there is anger, mais s'il y a la colère, if there is pride, s'il y a l'orgueil, or jealousy, ou la jalousie, the heart is not right. Le cœur n'est pas droit. Jesus looks in the heart. Jésus regarde au cœur. Not just the outward appearance. Il ne regarde pas à l'extérieur. In Desire of Ages 172. Jésus-Christ, page 172. The Christian's life is not a modification or improvement of the old. La vie chrétienne n'est pas une amélioration de l'ancienne vie. But a transformation of nature. Mais une transformation de nature. There is a death to self. Il y a une mort au moi. And to sin. Et au péché. And a new life
all together. Et une vie complètement nouvelle. What does it mean to be dead to self? Qu'est-ce que cela veut dire d'être mort au moi et au péché? To be alive in God. Yes, that's what the Bible says, right? C'est ce que la Bible dit. In Romans 6:11. Romains 6:11. So you also must consider yourselves dead to sin. Ainsi vous-même, vous devez vous considérer comme mort au péché. And alive to God in Christ Jesus. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. But how do you consider yourself dead? Mais comment est-ce que vous pouvez vous considérer comme mort? I struggle to understand that. J'ai vraiment eu du mal à comprendre cela. How am I dead to sin? Comment est-ce que to je self? Suis morte au péché et au moi? Finally, as I studied, I understood it. Et finalement, alors que j'ai étudié, j'ai compris. If you are dead, si tu es mort, and your boy comes and disobeys you, et que ton fils vient et qu'il te désobéit, or if I come and I say all manner of evil against you, ou si je viens et que je raconte des tas de mauvaises choses sur toi, what will you do if you are dead? Que vas-tu faire si tu es mort? Nothing. Rien. No answer. No answer. That's pas de réponse. Right. No wrong attitude. Pas de mauvaise attitude. No hatred. Pas de haine. No impatience. Pas d'impatience. No irritation. Pas d'irritation. No offense. Pas d'offense. On n'est pas offensé. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Bienheureux ceux qui aiment ta loi, rien ne peut les offenser. You are dead. Vous êtes mort. But that's not Christianity. Mais ça, c'est pas du christianisme. Christianity means death to self. Le christianisme dit mort au moi. But then come alive to God. Mais alors, il vient une vie and avec let Dieu. God's love work in you. Et l'amour de Dieu va travailler en vous. His pleasure. Son bon plaisir va faire en vous. And if I come to you that way. Et si je viens à toi donc de cette façon. And you are dead to self, et que tu es mort au moi, but alive to God, mais vivant en Dieu, what will you do? Que vas-tu faire? Act with love. You will love me. Tu vas m'aimer. You will say, poor lady. Tu vas dire, oh là là, la pauvre. She has a problem. Elle a vraiment un problème quelque part. I need to help her. Il faut que je l'aide. She doesn't know how to be a Christian. Elle ne sait pas comment être une chrétienne. You see? I'm going to pray for you. Yes, you will pray for me. Je vais... Do you see the difference? Vous voyez la différence? If we did that in our churches, si on faisait ça dans nos églises, what a difference it would make. Ça ferait une grande différence. If we did it in our homes, si on faisait ça dans notre maison, what a difference it quelle would différence be. Ça ferait. Ellen White says the new birth is a rare experience in this age of the world. Ellen White dit que la nouvelle naissance est une expérience rare dans ce monde à notre époque. Many are baptized. Beaucoup sont baptisés. But they have been buried alive. Mais ils ont été enterrés vivants. Self did not die. Le moi n'est pas mort. Therefore, they did not rise to a new life in Christ. Et ainsi, ils ne sont pas ressuscités dans une nouveauté de vie, une nouvelle vie. And that's why there are so many problems. Et c'est pour cela qu'il y a tant de problèmes. In the churches. Dans les églises. Homes breaking up. Des foyers qui se brisent. Children running away from home. Des enfants qui partent. All kinds of problems in the Adventist and among the Adventist people. Beaucoup de problèmes parmi le monde adventiste. Because parce que we do not know nous ne savons pas how to be dead to self comment être mort au moi and alive to God. Et vivant en Christ. When my husband and I learned that quand mon mari et moi-même nous avons étudié cela
We went to our children. On est allé vers nos enfants. Our children were 21, 20 and 13. Nos enfants avaient 21, 20 ans et 13. And we said, children, we have failed you. Et nous leur avons dit, bien, on vous a trompé. We didn't know how to be real Christians. On ne savait pas comment être de vrais chrétiens. And my husband was a minister. Et mon mari était pasteur. But he didn't know either. Mais il ne savait pas non plus. And we asked them to forgive. Et nous leur avons demandé de nous pardonner. Because we did not know how to live God's love. Parce que nous n'avions pas su vivre l'amour de Dieu. We were just living human lives. On vivait seulement des vies humaines. We were not connected with divinity. On n'était pas reliés à la divinité. And our children forgave us. Et nos enfants nous ont pardonné. And they saw the difference. Et ils ont vu la différence. And they wanted what we had found. Et ils voulaient, ils ont désiré ce que nous avions trouvé. And we praise the Lord for that. Et nous louons Dieu pour cela. But how many Adventist children are out there? Mais combien d'enfants d'Adventistes sont là-bas dehors? They don't want their parents' religion. Ils n'ont pas envie de la religion de leurs parents. It does not give victory. Ça ne donne pas la victoire. When we come to Christ, quand nous venons à Christ, we are told here in Luke 14:33, dans Luc 14 verset 33, whoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Si quelqu'un ne laisse tout et ne me suive, il ne peut être mon disciple. He cannot be a disciple. Il ne peut pas être un disciple. If he does not leave all. S'il ne laisse pas tout, s'il n'abandonne pas tout. All self, all sin. Son moi et son péché. All right to do my own way. Tout, je peux bien faire ce que je veux. And the attitude of the Christian is, et l'attitude du chrétien est, what do you want me to do, Lord? Mon Dieu, que veux-tu que je fasse? That I might know him, 63. Oui, le livre, afin que je le connaisse, page 63. God will not occupy a divided heart. Dieu ne viendra pas dans un cœur divisé. Il n'occupera pas un cœur divisé. He will not reign from a divided throne. Il ne régnera pas sur un trône divisé. And the lukewarm have a divided heart. Et celui qui est tiède a un cœur divisé. Divisé. And Jesus is standing outside the door. Et Jésus se tient à la porte. Dehors. He cannot occupy the heart. Il ne peut pas rentrer et habiter dans ce cœur. Until self will be put on the altar of sacrifice. Jusqu'à ce que le moi soit mis sur l'autel du sacrifice. And the blood washes from sin. Et que le péché soit et que le sang efface and, le péché. And we are born of water and spirit. Et que nous soyons nés d'esprit et d'eau. And then Christ can live in a cleansed heart. Et alors, Christ peut habiter dans un cœur purifié, nettoyé, propre. A new creation. Une nouvelle créature. He demands all. Il demande tout. When we are brought to yield to his claims. Quand nous nous subordonnons à ses, à ce qu'il. Quand nous sommes amenés à céder à ses. Quand nous cédons à ses exigences. And give up all. Et que nous abandonnons tout. Then. Alors. And not till then. Et seulement alors. Will he throw around us his arms of mercy. Il jettera autour de nous ses bras de miséricorde. Now he loves us. Alors il nous aime. He loves the sinner. Il aime le pécheur. But he cannot save them. Mais il ne peut pas les sauver. Unless they come all the way. À moins qu'ils ne viennent vers lui. And he will work with them. Et il va travailler avec eux. And he will draw them. Et il va les attirer. And he will with the Holy Spirit try to get them to understand. Et il va par le Saint-Esprit les aider à comprendre. But they are not forgiven. Mais ils ne sont pas pardonnés. And cleansed. Et purifiés. Until they go all the way. Jusqu'à ce qu'ils aillent tout le chemin vers lui.
Review and Herald. Revue and Herald. February 27, 1900. Le 27 février 1900. The Lord cannot purify the soul. Dieu ne peut pas purifier l'âme. Until the entire being is surrendered. Jusqu'à ce que l'être tout entier n'ait abandonné sa place. To the working of the Holy Spirit. Ne se soit abandonné à l'œuvre du Saint-Esprit. This is a big step. Ça, c'est un grand pas. This one. Celui-là. This is where you completely surrender your old self. C'est à ce moment-là que vous abandonnez tout votre moi. And you are born again. Et que vous êtes né de nouveau. You are a new person. Vous êtes une nouvelle personne. Because he has promised. Parce qu'il a promis. If we confess our sins, si nous confessons nos péchés, he is faithful and just to forgive us our sins. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. And to cleanse us from how much? Et pour nous pardonner de combien? All unrighteousness. De toute iniquité, injustice. All unrighteousness. Toute injustice. In 1 John 1:7. 1 Jean 1, verset 7. The blood of Jesus Christ, his son. Le sang de Jésus-Christ, son fils. Cleanseth us from all sin. Nous purifie de tout péché. We have now come in repentance. Nous sommes arrivés dans la repentance. To the foot of the cross. Au pied de la croix. The blood is sprinkled at the altar. Le sang est aspergé sur l'autel. We confess our sins on Jesus. Nous confessons nos péchés sur Jésus. And then the little lamb representing Jesus was killed. Et alors le petit agneau qui représentait Jésus est tué. And the blood was sprinkled on the altar. Et le sang était aspergé sur l'autel. Representing the blood of Jesus. Représentant le sang de Jésus. And then there was the washing. Et alors après, il y avait le lavage. And I want to read about that. Et je voudrais lire à ce sujet. Early Writings 209. Premiers écrits, page 209. When the soldier pierced the side of Jesus as he hung upon the cross. Alors que le soldat perça le côté de Jésus alors qu'il était sur la croix. There came out two distinct streams. Il a coulé de son sein deux courants. One of blood, l'un de sang, the other of water, et l'autre d'eau. The blood was to wash away the sins of those who should believe in his name. Le sang était pour laver les péchés de ceux qui croiraient en son nom. And the water, et l'eau, was to represent that living water, était pour représenter cette eau vive, which is obtained from Jesus, qui est obtenue de Jésus. To give new life to the believer. Donner une vie nouvelle aux croyants. That is how we are saved. C'est ainsi que nous sommes sauvés. That is our justification. C'est cela notre justification. Let me read it to you from the Bible. Lisons-le dans la Bible. And that takes place right here in the courtyard. Et cela se passe ici dans le parvis. Oui, le parvis. Titus 3, 5 through 8. Tite 3, 5 à 8. This is one of your most important texts on justification. C'est l'un des textes les plus importants sur la justification. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, by the washing of regeneration, mais en vertu et par, oui, c'est un peu dit différemment, par en vertu de sa propre miséricorde, and renewing of the Holy Ghost, et par la régénération du Saint-Esprit. That's why Jesus told Nicodemus. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Except a man be born again, born of water and the Spirit, he cannot see the kingdom of heaven. À moins qu'un homme ne soit né de nouveau, né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux.
Because that is how we are saved. Parce que c'est ainsi que nous sommes sauvés. By the washing of regeneration. Par le bain de la régénération. And renewing of the Holy Ghost. Et le renouveau du Saint-Esprit. Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. That being justified by his grace. Afin que justifiés par sa grâce. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. This is a faithful saying. This is a faithful. Mm-hmm. Cette parole est certaine. This is the only way. C'est le seul chemin. We can become children of God. Pour que nous devenions enfants de Dieu. And this is represented here. Et cela est représenté là. Water and spirit. L'eau et l'esprit. And then when we have had this experience. Et alors quand nous avons eu cette expérience. By the blood and the water and the spirit. Le sang, l'eau et l'esprit. Then we can enter the holy place experience. Alors nous pouvons entrer dans l'expérience du lieu saint. Where all the power of the fullness of the Spirit is available. Où toute la puissance du Saint-Esprit est à disposition. And now the word is spiritual to us. Et maintenant, spiritual bread. La parole est le pain spirituel. Spiritual things are spiritually discerned. Les choses spirituelles ont un but spirituel. And this person says, I can't understand the Bible. Et cette personne dit, je ne peux pas comprendre la Bible. But this person can. Mais cette personne peut. Because he has experienced a spiritual rebirth. Parce qu'il a expérimenté une nouvelle naissance. The whole Bible became new to me when I understood this experience. Quand j'ai compris cette expérience, la Bible entière est devenue nouvelle pour moi. The whole spirit of prophecy was much more understandable. Tout l'esprit de prophétie est devenu beaucoup plus compréhensible pour moi. And everywhere you can see that God is talking about the inner life. Et vous voyez partout que Dieu parle de la vie intérieure. This is the incense. C'est l'autel des parfums. And we are told that this represents. Et il nous est dit que cela représente our prayers and good works. Nos prières et les bonnes œuvres. Through the faith of Jesus and the righteousness of Christ. Par la foi de Jésus et la justice du Christ. Going up to the Father. Qui s'élève vers Dieu. Completely Père, acceptable to God. Complètement acceptable par Dieu. Christ working in you. L'œuvre de Dieu travaillant en vous. To produce prayers and good works that are acceptable. Pour produire les bonnes œuvres et la prière. They are not acceptable otherwise. Ils ne sont pas acceptés autrement. And because you are living this way. Et parce que vous vivez de cette façon. And this is the sanctified life. Et c'est cela la vie sanctifiée. You will be judged. Vous serez jugé. To have eternal life. Pour avoir digne d'avoir la vie éternelle. Because you are living the law of God. Parce que vous vivez la loi de Dieu. You are living Christ's character. Vous vivez le caractère de Christ. Justification, sanctification, sanctification et le jugement. Let's read a text. Lisons un texte. That will tell us that. Qui nous dira cela. Romans 6:23. I will read it from two translations. Je le lirai dans deux traductions. First will be the Revised Standard Version. Alors c'est la nouvelle version. And I think maybe your Bible will have the same word there. Peut-être que notre Bible aura les mêmes mots. Now that you have been set free from sin. Maintenant que vous avez été libérés du péché.
and have become servants or slaves of God. Et que vous êtes devenus des esclaves de Dieu, des serviteurs de Dieu. The return you get is sanctification. Le retour que vous avez, c'est la sanctification. And the end, eternal life. Et la fin, la vie éternelle. Now, let me read it from the King James. Alors maintenant, la King James. Now that you have been set free from sin. Maintenant que vous avez été libéré du péché. And become slaves to God. Et devenu esclave de Dieu. You are not a slave of Satan anymore. Vous n'êtes plus esclave de Satan. You have a new heart and a new mind. Vous avez un nouveau cœur, un nouvel esprit. You are now a free slave of God. Vous êtes un esclave libre de Dieu. You have your fruit unto holiness. Vous portez des fruits pour la sainteté. And its end, eternal life. Et sa fin est la vie éternelle. Sanctification, la sanctification, is growing the fruits of holiness. C'est porter et cultiver les fruits de la sainteté. And that's the work of a lifetime. Et ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Jesus, all his life was sanctified. Jésus, toute sa vie a été sanctifié. Growing in holiness. Grandir en sainteté. But so many of us, mais bien d'entre nous, have thought that sanctification, nous avons pensé que la sanctification, is trying to get rid of our sins. C'est essayer de se libérer de nos péchés. No, sanctification, non, la sanctification, is walking in holiness, et marcher en sainteté, keeping free from sin, être libéré du péché. Justification, la justification takes away your sin. Enlève votre péché. This is what we are cleansed by the blood. C'est pour cela que nous sommes lavés du péché. And the Bible says we are justified by the blood. Et la Bible dit nous sommes justifiés par le sang. And the blood cleanses from all sin. Et le sang nous purifie de tout péché. And then you are washed in the fountain. Vous êtes lavé dans la fontaine. And given a new heart and a new mind. Et vous obtenez un nouveau cœur, un nouvel esprit. And you enter the sanctified life. Et vous entrez dans une vie sanctifiée. And if you go back to sin. Et si vous retournez au péché. And we will talk about that this afternoon. Et nous parlerons de cela cet après-midi. Are you still set apart for God's holy use? Est-ce que vous êtes encore mis à part pour un usage saint? Non. You are now letting Satan use you again. Alors vous laissez Satan vous utiliser de nouveau. If you get angry, si vous vous mettez en colère, who is using you? Qui est-ce qui vous utilise? Not God. Pas Dieu en tout cas. If you are allowing God to use you, si vous voulez laisser Dieu vous utiliser et travailler en vous, you will have love. Vous aurez l'amour, joy, la joie, peace, la paix, patience, la patience, kindness, la bonté, gentleness, la douceur, self-control, la maîtrise de soi. That is the fruit of the Spirit. C'est cela le fruit de l'esprit. But if you yield to impatience, mais si vous vous laissez aller à l'impatience, the spirit of prophecy says you drive the Holy Spirit out of your heart. L'esprit de prophétie dit que vous chassez le Saint-Esprit de and votre you cœur. Give place to the attributes of Satan. Et vous laissez la place aux attributs de Satan. It's very serious. C'est très sérieux. Too long we have excused ourselves. Nous sommes trop longtemps excusés nous-mêmes. And we have not really found et nous n'avons pas trouvé salvation. Le salut. I'm past my time. Je l'ai passé mon temps. We will continue this afternoon. On continuera cet après-midi. Amen. Amen.